En République tchèque, les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle sont désormais connus. À l'issue du premier tour, l'ancien Premier ministre populiste Andrej Babiš, à gauche de l'écran, fait la course en tête avec près de 36% des voix. Il affrontera dans deux semaines l'ex-général Petr Pavel, qui compte plus de 34% des voix. La grande perdante de ce premier tour est la professeure d'université et économiste Danuš Nerudová, qui récolte seulement 13% des suffrages. Le taux de participation a lui atteint 67%.